Et bien salutations gamers et gamers, cette vidéo est un peu faite à l'arrache, enfin soit. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de mon colis musique et je vais vous laisser avec l'unboxing tout de suite. Et donc voilà, donc c'était la vidéo unboxing de mon PC, enfin d'une partie des composants. Donc vous avez pu voir une RM1000, une nouvelle souris, donc la Logitech Proteus Core J502. Donc la vidéo unboxing va sortir d'ici peu sur la chaîne YouTube, ainsi que le SSD Force LS de Corsair de 120 Go, donc il me servira pour le système d'exploitation de chez Corsair, enfin l'OS que je mettrai dessus. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo très courte, peu longue en gros. Très courte, peu longue, c'est pareil. Et bah, je vous remercie. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. C'est vraiment l'unboxing du colis que je viens de recevoir. D'ici normalement fin septembre, début octobre, je devrais recevoir enfin mon processeur ainsi que ma carte mère ainsi que la RAM. Et plus tard, genre ça, bah, aussi water cooling, hein, je suis bête, je pense pas à ça. Donc le cable mode dont je vous signale, je le vends, c'est un cable mode Corsair Blood Red and Black. Donc je vous mettrai le lien vers ce cable mode en description. C'est un très beau cable mode, je le revends pour une 60aine d'euros, enfin je verrai le prix. Et donc voilà, ce cable mode n'a jamais été utilisé, je l'ai juste ouvert une fois pour voir, vérifier que c'était bien le bon et tout ça, parce que en fait je vous explique, j'ai eu l'alimentation en kit avec un cable mode, mais il n'y avait plus l'alimentation disponible toute seule, donc j'ai dû prendre le cable mode, et vu que ça m'intéresse pas vraiment parce que les câbles noirs d'alimentation me suffisent largement, je n'aurais pas besoin du cable mode, donc je le mets en vente ou bien je le ferai gagner dans un concours, c'est à moi de voir, c'est à moi de décider et tout ça. Donc je verrai et au pire je te le fais gagner en concours, ainsi de suite. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Doc Landorf, les gens, gamers et gameuses, peace.